Diffusia.fr vous emmène à la découverte de l'histoire de France. Henri II l'avait promis, marions notre fille Marguerite à Henri de Bourbon. Ce mariage, qui est dans l'intérêt du royaume, scellera la réconciliation entre protestants et catholiques. Les tractations vont être longues et douloureuses. Jeanne d'Albret s'oppose farouchement à ce mariage. Que deviendra mon fils dans cette cour de papistes ? Nous ne pouvons avoir aucune confiance en eux. Un événement tragique va cependant favoriser le projet de Catherine de Médicis. Henri est à Verneuil-sur-Charente, ce 13 juin 1572. Alors qu'il va commencer son déjeuner, son ministre, le duc de Biron, lit les oraisons. Et nous prierons pour l'âme de feu notre reine. Pour Henri, le choc est immense. Il apprend ainsi que sa mère, Jeanne d'Albret, reine de Navarre, est morte. En fait, on lui avait caché la nouvelle pendant plusieurs jours. Me voilà seul face au destin et à l'histoire.